Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à But pour découvrir le métier de paysagiste avec Loïc Kruguel. Je m'appelle Rania. Enchantée. Et où sommes-nous ? Bah, on est chez moi dans mon entreprise de paysagiste. C'est un métier qui englobe plusieurs métiers si tu veux. On va pouvoir créer un jardin, donc ça veut dire on va pouvoir faire un gazon, faire une terrasse, planter des arbres, faire une haie, tout, embellir une maison. Puis une fois qu'on a embelli la maison, bah, on va pouvoir l'entretenir. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tondre un gazon, tailler un arbre, entretenir une terrasse, tout ce qui est vraiment tout autour de la maison. Première étape, on essaye une tronçonneuse. On doit mettre des habits pour sécuriser, pour ne pas se couper ou se faire mal. J'entends plus ce que je dis, c'est horrible. Ça marche pas. Bah, je trouve que c'est quand même lourd. Maintenant, on va essayer une souffleuse. C'est pour nettoyer les feuilles qu'il y a par terre, par exemple, en automne. Ça fait quelque chose. Alors là, c'est une pelleteuse. Mm-hmm. Hein, c'est pour creuser par terre. Puis là, le but, on va essayer, c'est de prendre les cailloux qu'il y a là, puis les déplacer là. Okay. D'accord. Ça, tu peux utiliser, c'est avant, en avant, en arrière. Vas-y, avec les mains, les deux mains. Là, on est en avant, en arrière. Là. Maintenant, la manette avec le point vert, là. Avec le point vert, ouais, là. Tu la pousses en avant. Vas-y, en avant, en avant, en avant, en avant. C'est bon, là? Ouais. T'as la manette là pour tourner. Oui. En avant, en bas. Puis l'autre manette, essaye doucement. C'est une pour ouvrir, pour descendre, monter. Puis si tu fais gauche-droite, c'est pour l'ouverture. Je pense pour ce métier qu'il faut être très manuel. J'ai beaucoup aimé la rencontre avec Loïc qui nous a montré énormément de choses sur son travail. Ça marche pas, ça marche pas.